Je veux que les enfants handicapés puissent être accueillis dans les meilleures conditions. Vous le savez, nous avons créé à cette rentrée, pour pallier aux insuffisances du gouvernement précédent, 1500 assistants de vie scolaire individuels, ce qui est important, mais il resterait en gros 6000, d'autres 20000, mais c'est plutôt 6000 gosses qui ne sont pas, qui ne peuvent pas être scolarisés parce qu'ils sont en situation de handicap et qui ne peuvent pas être accueillis. On a lancé un groupe de travail sur tout ce qui est professionnalisation de l'accompagnant, que ce soit l'accompagnant individuel de l'enfant handicapé, que ce soit l'accueil collectif dans l'école de l'enfant handicapé.